Bonjour à tous. Alors, la loi normale inversée, les différents calculs qu'on peut nous demander. Donc, prenons une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres 4, 3. Qu'est-ce qu'on peut vous demander comme calcul? Eh bien, soit on peut vous demander de trouver la valeur de k telle que la probabilité, telle que x soit inférieur ou égal à k, soit égal à 0,8. Ou alors, telle que la probabilité de x soit supérieur ou égal à k, soit égal à 0,8, par exemple. Ou encore, on cherche a et b telle que la probabilité avec x compris entre a et b soit égal à 0,8. Donc x suit la loi normale de paramètres 4, 3. Petit rappel, 4 représente la moyenne, 3 représente l'écart type. On cherche k tel que la probabilité de x soit inférieure ou égale à k soit égale à 0,8. Ici, vous pouvez remarquer que c'est x inférieur ou égal à k. Donc x est à gauche, ou left en anglais, et 0,8 représente à l'air. Donc avec une casio, il suffira de saisir ces valeurs-ci. Left, puisque la variable aléatoire est inférieure ou égale, donc elle est à gauche, 0,8, 3, 4. Avec une Texas, on va utiliser la fonction inverse normale. 0,8, 4, 3 et gauche. On obtient k est égal à 5, à 6,525. Toujours la même variable aléatoire. Cette fois-ci, on cherche k tel que la probabilité de x soit supérieure ou égale à k soit égale à 0,8. Si on l'écrit comme ceci, on comprendra que cette fois-ci le x est supérieur ou égal à k. Donc il est à droite. Right en anglais. Et on a toujours l'air à 0,8. Donc pour une casio, il suffira de saisir right 0,8, 3, 4. Et pour une Texas, toujours la même fonction, 0,8, 4, 3 et droite. On obtient cette fois-ci k égale 1,475. Enfin, dernier calcul. Cette fois-ci, on cherche a et b tel que la probabilité avec x soit compris entre a et b soit égale à 0,8. Cette fois-ci, x n'est pas à droite, n'est pas à gauche, mais il est centré. Et l'air sera toujours égal à 0,8. Donc sur une casio, on mettra ceci, CNTR pour centré, 0,8, 3, 4. Et pour une Texas, eh bien inverse normale, 0,8, 4, 3, centre. On obtiendra une valeur de A, le low, donc la valeur la plus basse, 0,155, et une valeur de B, up, la valeur la plus haute, 7,845. Pour résumer, x inférieur ou égal à k, gauche. X supérieur ou égal à k, droite. X compris entre A et B, centré. Bon courage!